Yo les amis, c'est Frité. Aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. On va faire eh bien tous ensemble aujourd'hui encore une fois des objectifs. Alors les potes, on va commencer eh bien tout simplement avec l'objectif de Wati Cage qui nous demande eh bien de tuer quelqu'un avec le couteau du rituel, puis de le mettre dans le crâne, d'aller jusqu'au démon. Et si on arrive à bien le faire juste au moment où on quitte en fait la pièce où il y a les démons, eh bien si on se téléporte à un endroit normalement, eh bien on pourrait peut-être être invisible. Donc ça m'a beaucoup intéressé, du coup on va essayer de faire ça les potes. Donc c'est parti les potes, on va essayer de se rendre invisible. Franchement si on y arrive ça doit vraiment être super sympa. Alors on doit aller déjà à l'Occulto Club. Si je me rappelle bien les amis, il faut se diriger là-bas, puis aller voilà à gauche comme ça. Et normalement c'est au fond du couloir. C'est vrai que c'est assez labyrinthesque comme, comme jeu Yandere, avec toutes les salles qu'il y a et tous les étages. Bon alors on va prendre le couteau ici. Voilà, on prend le couteau du rituel, parfait. Maintenant les amis, eh bien on va se téléporter sur le toit pour tuer Midori, hein. C'est un peu la cible la plus facile, donc je suis vraiment désolé si je m'attaque à chaque fois à elle. Voilà, encore une fois, je dois même plus vous le répéter, hein. Le PC bug toujours autant, hein. Ça va jamais changer à moins d'avoir un nouveau PC, mais ce n'est pas le cas. Bon les gars, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va retourner tout simplement au club occulte. Alors on rentre dans le club, les potes, ensuite on reprend le petit couteau des familles, voilà, et on le plante dans le crâne, chose qu'on a déjà fait, eh bien, quand on avait invoqué les démons. Alors je suis vraiment désolé encore une fois pour la caméra, on voit presque pas, c'est horrible en fait. Il faut vraiment que l'écran du PC il soit blanc mon gars, c'est chaud. Là, petit moment de pression, petit moment de stress. Alors, une fois qu'on est là, on doit eh bien essayer de partir et de se téléporter rapidement. Donc je vais essayer de préparer mes doigts en fait. Voilà, les gars là je suis en train de faire une technique des doigts mon gars, c'est un truc de ouf. Alors on va essayer ça, alors c'est parti. Attendez, je suis bien. Ok, on va essayer la touche 6. Ça commence à 6 les téléportations. Ok, alors je dois d'abord appuyer sur E, ensuite sur ça, puis sur ça. Ok, hop, on fait ça. Hop, oh, oh oui. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Oh génial, on est invisible. C'est énorme. Ah, c'est super cool. On est comme un fantôme en fait les potes. Ah ouais, ça c'est classe quand même. Ça c'est quand même un gros bug, hein. On a l'habitude de voir des petits bugs. Ça j'avoue que c'est quand même vraiment un gros bug de ouf. C'est génial, franchement c'est une tuerie. Est-ce qu'on peut courir et tout? Ah ouais, on peut courir. C'est génial en fait, c'est comme si on jouait à Yandere, mais en vue FPS en fait. Enfin en 3D quoi, carrément. Ah ok, on traverse les portes. Attends, on a failli traverser une pièce normalement non, tout à l'heure, non? Ok, non, c'était juste un bug de texture, ouais, voilà. Je me dis, on est vraiment un fantôme, on peut traverser tous les murs sans devoir ouvrir les portes. Ah bah ouais, bah franchement, c'est super cool. On va essayer de parler à quelqu'un pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est ouf quand même. Attendez, on lui parle. Talk, talk. Ok, les talks sont ultra buggés. Regardez ça, on peut même pas leur parler. Waouh, c'est ouf. J'aimerais bien essayer un dernier truc, les gars. Et je vais essayer de tuer quelqu'un, en fait, en étant comme ça. What the fuck? N'importe quoi. N'importe quoi les gars, attendez, on s'en refait un. Wouah. N'importe quoi les bugs. On va faire ça. Wouah, mais regardez comment c'est c'est chelou. What? Les gars, c'est n'importe quoi. What? Je suis bloqué. Ouais, c'est vraiment... En fait, la caméra est complètement buggée quand vous avancez. Regardez, on reste tué la dernière fois. Voilà, c'est juste ce qu'on voulait faire. Et bien, le bug est vraiment super sympa, on ne me voit même plus. Vous allez me dire, c'est comme dans le jeu, tu vois, on est invisible. Là, on ne me voit presque pas dans la caméra. En tout cas, les potes, franchement, vraiment très très sympa. Je connaissais pas du tout ce bug-là. N'hésitez pas à laisser... Elle nous fait des trucs bizarres. Essayez pas à laisser à votre tour. Franchement, je suis content d'avoir réussi et surtout du premier coup. Allez, on passe au deuxième objectif. On passe à l'objectif de Rainbow Cake LPS qui nous demande eh bien, tout simplement de jeter un seau d'eau sur Kokona quand elle arrive au téléphone, qu'elle parle au téléphone là. Et ensuite, après ça, d'activer le mode Titan pour voir ce que ça fait. Et je vous avoue que... C'est vrai que quand on y pense, avec le mode Titan, il y a moyen d'essayer pas mal de choses. Et ça m'intéresse pas mal de voir eh bien, ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que le Titan va courir pour essayer d'aller se changer? Je sais pas, on va essayer de voir, on va voir ça ensemble les potes. Et qu'on va déjà remplir eh bien, la bassine, hein. On prend Carrie, voilà. Ah non, en fait j'ai pris la brosse, c'est pas du tout ce que je dois faire. Alors, la petite bassine, on la prend comme ça. Ensuite, on met de l'eau. Voilà, c'est parfait. Donc on a déjà notre bassine de fête, les potes. Donc ça c'est plutôt pas mal et du coup maintenant on doit attendre normalement 7h30. Ok les gars, Kokona est là. Bon c'est parti, on va essayer d'être rapide. On prend la bassine, voilà. Et on va le mettre, attendez je prépare aussi la touche pour activer le mode. Ok on verse, comme ça, voilà. Ensuite on attend.
Voilà, hop, ça lui tombe dessus. Ok, parfait. Maintenant, on active le mode Titan. Ok, oh, what the fuck? Oh! Oh oui, elle va sécher! Énorme! Énorme, les gars! Attendez, il faut qu'on aille vite la voir. Hop, 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 hop! C'est parti, les gars. Il y a des titans partout, c'est pas grave. Il faut vite qu'on aille dehors. Vous avez vu, nos vêtements ont changé aussi. What the fuck? Ah oui, nos vêtements changent aussi en mode Titan. Attendez, il faut que j'aille dehors. Ah ouais, elle est là, les potes. Regardez, c'est énorme! Oh, c'est terrible! Est-ce qu'elle va faire quelque chose de particulier? Ah, regardez, elle avance ici en fait. Et elle fait que marcher en fait. Bah ouais, du coup, elle sait pas. Enfin voilà, le jeu n'est pas. What the fuck? What the fuck? Oh! Oh, énorme! Oh, c'est terrible! Ah, purée! Rainbow, tu viens de trouver un truc de ouf à essayer! Regardez, c'est énorme, les potes! Ça, c'est terrible. Je refais. Franchement, les gars, un max de pouces bleus. Vous avez vu quand même ce qu'il y a moyen de faire avec le jeu? Avec des bugs, regardez, elle est géante, mais elle s'installe et tout, comme ça. Genre, elle fait les mêmes actions, mais en étant en forme de titan. Franchement, c'est vachement cool. Vous pouvez voir aussi qu'elle a des gouttes d'eau. Bah, franchement, super objectif, les gars. Là, je suis vraiment refait pour la vidéo. J'espère que ça vous plaît aussi. Comme quoi, les potes, franchement, vous êtes génial à essayer de tenter des choses. Vraiment, et le mode titan, c'est un mode très intéressant. Je dirais même le plus mode, ok. Je dirais le mode le plus intéressant, en fait, du jeu pour essayer de faire des bugs. Franchement, super content pour le deuxième objectif. Alors, on passe à l'objectif de Kasu-chan qui nous demande, eh bien, d'être lundi à 3h30 et de rejoindre le club de cuisine. Moi, c'est déjà fait, comme vous pouvez le constater. Ensuite, quand Kokona, elle vient cuisiner, eh bien, on cuisine en même temps qu'elle. Et normalement, à la fin, on devrait avoir une saucisse dans la main. D'après ce qu'elle me dit, donc on va essayer ça les potes. Alors on va se mettre lundi, c'est bon, on est lundi, c'est parfait. Bah on va attendre tout simplement 3h30. On va se rejoindre aussi eh bien dans la cuisine. Bon les potes, il y a Kokona qui arrive, donc on va attendre qu'elle commence à préparer à manger. Et puis eh bien on ira tout simplement faire à manger également à notre tour en même temps que Kokona. Alors j'ai hâte de voir si il va y avoir un bug. Alors on va la laisser. Hop, c'est parti. Tac tac tac, moi aussi je prépare à manger. Voilà les gars. C'est énorme, comme des siamoises mon gars, on est des jumelles et on fait à manger en même temps. Attends, on va voir ça un peu plus près. Mais elles vont se couper les mains mon gars. Vous avez, il y a une seule boîte de conserve et elles font quand même à deux, c'est excellent. C'est vraiment super sympa. Par contre, oula, c'est chelou. Il y a des bras partout là, on a des cheveux dans d'un mélange de cheveux mauves et cheveux noirs, c'est assez chelou. Bon, apparemment, on finit avant elle, on est plus rapide déjà, ok. What, on a eu une sorte de propulsion vers l'arrière. Et, bah, il n'y a pas de saucisse dans nos mains. Ah, si. Ah, mince, elle a disparu. Ah non, elle est là. Vous avez vu, il y a une sorte de pieuvre, regardez, elle est complètement buggée. C'est énorme. On va essayer de se rapprocher pour voir un peu. Ah mince, j'étais bon, j'avais un bon point de vue. Voilà, là, bah, on avait... Bon, tant pis, ça bouge trop. Bah, vous voyez, apparemment, on a une petite pieuvre qui part et qui revient dans notre main. Ok, c'est assez marrant, les gars. Bon, un petit bug chelou, mais assez sympa. Puis, on voit vraiment presque plus, c'est vraiment abusé. Faut vraiment que je trouve des solutions, c'est pas possible, on voit même plus. N'importe quoi. Bon, allez, on passe au dernier objectif. On termine avec l'objectif de Miel the Dark Fox. Il nous demande en fait tout simplement de tuer quelqu'un, puis de le porter, de se téléporter avec plein de fois. Et puis à un moment, on s'arrête. Et peut-être que si ça fonctionne, il doit normalement y avoir un bug. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, évidemment, on va aller tuer Midori. On va prendre un petit couteau ici. Voilà, tac, hop, hop, hop. Voilà, on est sur le toit. On va tuer Midori. Et on va la prendre comme justement. Essai. Alors c'est parti, pick up, voilà. Et maintenant les potes, on va se téléporter un petit peu partout et on va voir ce que ça fait, ok. Alors voilà, hop, 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 hop. Ça a visé les gars, attendez, on essaye. Ok, bon, ça a rien fait, 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 ça a rien fait. What the fuck. Oh. Attendez, il se passe quoi? Non! Je suis pas sûr que ce soit ça le bug, et on va réessayer. Bon voilà, je reprends Midori et on va réessayer maintenant. Alors c'est parti, il faut vraiment pas que je me trompe. Hop, au pire je fais deux endroits différents. Stop comme ça. Right, ce sera bon, non? Hop, 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 hop. Mon gars, je vais faire exploser mon PC. S'amuser. Hop, 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 hop. Voilà, et si on se déplace? Ça fait rien les gars, ça a peut-être été patché à mon avis ce bug là.
Ah moi je viens de faire la connerie. En tout cas, ça n'a pas trop l'air de fonctionner les potes. Je suis vraiment désolé, mais là c'est la dernière version en date. Du coup, ça a certainement été patché. Et c'était sûrement sur les anciennes versions qu'on pouvait faire. Bah dommage, j'aurais quand même essayé. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une bonne vidéo parce que le coup du titan et d'être invisible, c'était vraiment pas mal. Évidemment, la petite pieuvre aussi. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment surpris en fait le truc du titan. Et je remarque qu'il y a vraiment moyen de faire de très bonnes choses avec le mode titan, les potes. Donc n'hésitez pas à élaborer des idées justement limite avec les titans. Pour voir un petit peu eh bien, ce qui se passe. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie vraiment à tous. Vous êtes vraiment nombreux maintenant à mettre des commentaires et des objectifs. Donc, ne soyez pas déçus si vous passez pas dans la vidéo. En fait, il y a tellement d'objectifs que je sais même plus où donner de la tête. Mais tant mieux, parce que, n'oubliez pas, les gars, on a un gros objectif. C'est d'atteindre 100 vidéos sur le jeu. Et grâce à vous qui mettez vraiment plein d'objectifs et de bugs, bah, ça me permet voilà, de faire pas mal de vidéos, je vous avoue. Et je vous remercie vraiment à tous. Je vous remercie tous, pas à tous. Et voilà, franchement, merci à tous la Frite Family. Vous êtes vraiment super. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Et portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!